retrouve maintenant à l'exercice de l'interview avec Nicolas Dozin. Nicolas, si tu devais te présenter en quelques adjectifs, ce serait quoi ? Quelqu'un de souriant, agréable à côtoyer, je pense, et pointilleux. Pointilleux ? Ouais. Joli. Je pense que... Et si tu devais sortir ta principale qualité et ton pire défaut, ce serait quoi ? Peut-être trop gentil. Ouais, ça va. Ouais, je peux dire ça. C'est pas mal. C'est une qualité comme un défaut, quoi. Exactement, ouais. Ça peut nous jouer des tours. T'es le joueur qui, mine de rien, a passé le plus d'années dans la première équipe actuellement. Est-ce que déjà t'étais au courant de ça ? Que t'étais le plus ancien du vestiaire en termes d'années passées à Sierre ? Oui, j'étais au courant. Enfin, parce que depuis que je suis arrivé, je crois que maintenant c'est 5 ou 6 ans, ou 7. Je vais sur ma 7e année, je crois. J'ai commencé avec un groupe et puis chaque année il y en avait un ou deux qui disparaissaient. Et puis je crois que je suis le dernier qui. T'es le dernier rescapé. Hein. Ouais, exactement. Et puis ça te fait quoi d'être un peu le pionnier du vestiaire? Ouais, c'est sympa quoi. Ça fait plaisir de faire partie des meubles maintenant, on peut dire, de Grabonne. Et puis c'est toujours agréable de venir ici jouer. Et, j'ai beaucoup de plaisir d'évoluer depuis toutes ces saisons ici. T'as connu ici la Première Ligue, la MySport League, maintenant 2 ans en Swiss League. Qu'est-ce qui change entre un vestiaire de Première Ligue et un vestiaire de Swiss League ? Je pense que c'est quand même beaucoup plus sérieux maintenant, actuellement. On a beaucoup plus de charge de travail. Maintenant, c'est clair qu'on est semi-professionnel, voire professionnel pour beaucoup de joueurs. Et je pense que c'est surtout ça qui change. En Première Ligue, tu finis ta journée de travail, tu vas à l'entraînement pour te vider la tête, t'amuser. Et puis là, tu te réveilles et puis tu vas à l'entraînement pour commencer ta journée. Ça, c'est ton job, quoi. Ouais, tu dois être performant, quoi. Exactement, oui. Et sinon, ça fait maintenant, tu as 17 ans que tu es là, tu as ta copine ici. On va dire que la vie en Valais te plaît bien. Exactement, oui. Depuis que je suis là, je me plais beaucoup. Et puis, j'espère pouvoir encore rester encore quelques années. Mais je pense... De base, toi, tu étais venu ici pour étudier, c'est ça ? Exactement. Je suis arrivé ici en provenance de Neuchâtel. J'ai fait ma maturité là-bas. Et après, j'ai hésité entre Sierre et Sion. Et puis, finalement, mon choix s'est porté sur Sierre. Je ne regrette pas du tout, d'ailleurs. T'as bien choisi, ouais, effectivement. Et après, j'ai fait l'HES durant 4 ans en économie, à plein temps à l'HES SO de Sierre. Et justement, maintenant, est-ce que tu es 100% attitré au hockey ou est-ce que tu travailles un petit peu à côté ? Alors, écoute, dès que j'ai fini mon bachelor, je me suis mis à la recherche d'un travail. Et en plus, c'est l'année où on est monté en Ligue B. Donc, il m'a fallu un peu de temps quand même pour trouver un travail parce qu'avec nos horaires, c'est jamais facile. Il faut vraiment avoir des horaires flexibles. Puis un patron qui soit aussi assez compréhensif. Ouais. Et j'ai eu la chance de trouver dans une cave à vin. Je ne citerai pas le nom, si je peux faire un peu de pub, je dirais. Mais voilà, et dans une cave à vin, mais dans les bureaux, ouais. Quand même, je te rassure. Ouais, tu fais pas du vin, quoi. Non, pas encore. Pas encore. non, mais dans les bureaux, voilà. Puis à côté du hockey, à côté de ton job, tu as des passions, des choses que tu aimes particulièrement faire ? Alors écoute, l'hiver c'est difficile quand même, ouais. Mais depuis cette année, l'été passé, je me suis mis au golf, ouais. Avec 2-3 gars de l'équipe. Il y en a qui sont assez souvent sur le golf, voire pratiquement tous les jours sur le golf, si je ne veux pas en citer comme Remo Giovannini, ouais. Puis Arnaud qui sont beaucoup là-bas. Mais ouais, c'est assez plaisant, on passe de bons moments, ça nous fait penser à autre chose et puis c'est toujours agréable. Puis ton niveau au golf ? Ouf, ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Gentiment, ouais, gentiment. T'as le droit de 24 heures avec la personne de ton choix, célébrité, sportive, star, chanteuse, artiste, n'importe. Qui ce serait ? Je crois que je choisirais Steve Aoki. Ok, belle réponse. Ouais. Pour aller faire un peu la fête. Ouais, exactement. Et puis d'un coup, il peut être un après-midi à Ibiza, puis le soir, il peut être... En Belgique, ou je sais pas, tu vois, tu voyages. Ouais, un rythme de vie très sain aussi. 24 heures. Ouais, 24 heures. Ok, belle réponse originale. Maintenant, on va parler de toi en tant que joueur. Même exercice qu'avant. Quelques adjectifs pour décrire ton style de joueur. Un beau patinage. Bon patinage arrière. J'essaie de jouer assez simple. Je me complique pas trop la vie.
Pour moi, plus c'est simple, plus c'est efficace. Ouais. Et voilà, maintenant, j'ai connu quelques belles années avec un bon shoot. Là, c'est parti depuis quelques saisons, j'espère le rattraper. Ouais, ou tu l'utilises peut-être un peu moins aussi. Voilà, exactement. Ton parcours aussi, des débuts en Ligue B à la Chaux-de-Fonds, ensuite la Première Ligue, la MySport League, c'est arrivé à Sierre il y a quelques années en arrière. Si on met entre parenthèses toutes tes années sierroises, est-ce que tu as un bon souvenir à nous transmettre de tes années avant le HC Sierre? Je pense mon passage à Zurich. Je suis parti à 16 ans de la maison pour aller jouer à Kloten durant 3 ans. C'était vraiment une belle expérience. J'étais dans une famille d'accueil, j'ai été super bien accueilli dans la famille et dans l'équipe. Et j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et puis voilà, on a fait aussi, je crois, il n'y a pas eu de titre en junior élite, mais je crois qu'on a eu une fois la troisième place, je crois. Et vraiment, j'en garde vraiment un bon souvenir. Quelques noms de joueurs que t'as côtoyé les années à Zurich, qui maintenant ont un haut niveau ou qui joueraient peut-être à Sierre. Il y a 93, il y a Marty, ouais, qui faisait partie défenseur, qui faisait partie maintenant aussi dans le cadre équipe suisse. Un peu plus jeune, il y a eu Mirko Müller. Ouais. Et j'ai côtoyé aussi notre ami valaisan Vincent Praplan, ouais, qui était là. Et le dernier, je crois, qui pourrait être de mon équipe, qui était dans l'équipe, c'était Boson, maintenant qui est, ouais, à Lausanne. Ouais. Et tu fais partie des joueurs qui a eu l'expérience de la Première Ligue, de la MySport League, de la Ligue B. Pour toi, l'adaptation en Ligue B, est-ce qu'elle a été facile ou est-ce que tu as dû améliorer quelque chose dans ton jeu, faire un step en avant? Bien sûr. Je pense que chaque fois, dans chaque nouvelle catégorie, il a fallu quand même un ou deux mois pour se mettre à niveau, assimiler le nouveau niveau de jeu et toute cette nouvelle vitesse. Ouais. C'est clair que entre la Première Ligue et la Ligue B, le pas il est énorme. Ouais, il y a un fossé. Exactement. Mais voilà, après il y a eu une bonne préparation durant l'été. Et c'est clair qu'après, ben voilà, ça reste du hockey. Puis on veut se battre pour faire sa place. Et puis tu veux toujours t'améliorer. Et puis je pense que ça vient petit à petit. Mais il faut toujours quand même un petit temps d'adaptation. On a parlé avant de tes qualités. Tu as dit que tu avais un gros shoot. Pour beaucoup, on l'a vu en Première Ligue, c'est vrai, tu prenais, ouais, beaucoup ta chance. On l'a encore vu en MySport League, moins en Ligue B. Et pour beaucoup, tu devrais plus l'utiliser. Je ne sais pas si tu en es conscient de ça. Oui, je suis conscient. Après, c'est clair que j'ai eu un rôle un peu différent aussi, ouais, les dernières années. J'attends que Goran y part à la retraite. J'espère que c'est sa dernière. Non, je rigole. Non, voilà, après, c'est clair que, ben voilà, aussi devant moi, il y a des gars qui sont comme Max et puis Goran qui ont des gros shoots. C'est, ouais, difficile. Ouais. Et puis, voilà, aussi, hein, ils ont de l'expérience. Et puis, voilà, il faut pouvoir peut-être faire sa place. Et puis, on verra. Hein. Première saison, en Ligue B, tu en avais mis quelques-uns. Cette saison, pas. Ouais. Première année, j'en ai eu deux. La saison passée, saison blanche. Saison. Puis, voilà. saison prochaine. Je vais dire 3. 3 ? Bah, ouais. C'est parfait. Et si on t'avait dit, justement, quand t'es arrivé ici à la HES, quand t'as rejoint le HCCR en Première Ligue, que 5 années plus tard, tu serais un défenseur titulaire en Swiss League, est-ce que tu y aurais cru ? Voilà, je suis un compétiteur. J'ai toujours aimé jouer dans des bonnes catégories. Après, ben voilà, c'est clair que dans le hockey, et puis comme je pense dans d'autres sports, il faut être au bon moment, au bon endroit. Après, pour moi, ça n'a pas marché à la Chaux-de-Fonds. Et puis, je me suis dirigé vers... voilà, je me suis plus axé sur les études. Ouais. Et puis finalement, ben, ces études, elles m'ont rapproché du monde du hockey et du sport. Donc voilà, maintenant, je ne me suis pas vraiment posé de questions. J'ai fait mon parcours et puis ben, je suis vraiment content de pouvoir jouer maintenant en Swiss League. Quoi. C'est, ouais, clair que ça fait toujours plaisir. Puis c'est tout bénef parce que tu as le bachelor et tu joues, exactement, en Swiss League. Exactement. Deux, ouais, en un, quoi. Ouais, du coup, j'ai fait d'abord mon bachelor et après je joue au hockey, pas comme certains qui vont... d'abord jouer et puis prendre leur retraite. Non, voilà quoi, c'est un parcours un peu différent, mais c'est sûr, c'est quelque chose que voilà que j'ai pas vraiment contrôlé, ouais, puis ça, ouais, s'est fait comme ça d'année en année. Maintenant, pour clore cette interview, j'ai deux questions décalées pour toi. La première qui vient de moi, j'ai parlé avec Yves Branchen tout à l'heure, je lui ai demandé un petit résumé de votre combat dans le derby Sierre-Viège en 2019-2020. Est-ce que tu peux résumer un peu puis dire qui a été vainqueur au point? Sans hésiter, c'est moi, je pense.
Ouais, ok. Ouais, bon, Bronson m'a pas dit la même chose. Non, je pense Bronson, il a gagné. Il a été un peu plus solide, je pense. J'ai essayé de taper quand même, j'ai fait de mon mieux. Mais voilà, il était quand même Bronson, pour ceux qui le connaissent maintenant, on le connaît depuis 2 saisons. Un grand adepte des biceps, ce genre de choses. Ouais, aussi entendu que c'était un grand adepte des biceps. Donc voilà, il a ce petit avantage quand même. Et la deuxième question, elle vient pas de moi. On m'a demandé si tu préférais faire un tour en âne à Mykonos ou si tu préférais faire du ski à Barcelone. Alors, salutations à Valentin Baruchet, s'il nous regarde. Écoute, je pense je choisirais l'âne à Mykonos. Hein. C'est une très belle région. L'âne à Mykonos. Ouais, vous l'avez parqué à la fin, c'est juste. L'âne, ouais. Ouais, on l'a laissé sur place, on est sûr. Tip top. Merci beaucoup, j'avais juste ces deux questions un peu décalées pour toi. C'était top, merci pour ton temps, puis on se voit bientôt au bord de la patinoire. Merci à toi, à bientôt.